retrouve aujourd'hui dans mon canapé en compagnie de Boubou le Teddy. Aujourd'hui on va parler cadeaux, on va parler produits. Alors personnellement je ne fête pas Noël, mais il y a plein d'anniversaires en décembre et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand il y a beaucoup d'anniversaires, en tout cas moi en fin d'année, j'ai un max d'anniversaires qui se concentrent, j'ai plein de copines et j'ai surtout mon père et ma soeur et puis d'autres gens proches de moi. Et du coup c'est assez compliqué quand t'offres déjà plein de cadeaux, au bout d'un moment tu ne sais plus. Et puis pour vous toutes les personnes qui fêtent Noël et qui sont à la recherche de cadeaux, I got you, je vous ai fait une liste, une wish list où j'ai combiné un maximum de choses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout découpé par thème. Vous pouvez retrouver tous les liens que je mentionne dans la barre d'infos. Cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. Je vous ai cumulé en fait un maximum de produits qui m'intéressent et qui vous intéressent aussi de ce que j'ai vu sur Instagram. Du coup c'est parti, on commence par la beauté. Alors ça, ça a été super difficile de pas mettre un milliard de choses là-dedans, donc j'ai essayé de condenser un maximum. Et en numéro 1, je vous propose le Steam Pod, le nouveau Steam Pod. J'ai une nouvelle version de l'ancien Steam Pod et il est vraiment génial. Moi qui pensais pendant très longtemps que c'est juste un glisseur, c'est bon, arrêtez, arrêtez, c'est de la vapeur, ok. Et ben franchement, ça change tout. Ça endommage beaucoup moins les cheveux, surtout, je sais de quoi je parle avec mes cheveux super, super endommagés. Ça les crame pas quand t'essayes de les lisser. Et puis, ça les garde lisses beaucoup plus longtemps. Quand t'as les cheveux bouclés, tu connais la galère. Tu te lisses les cheveux, tu sors. Gros soleil et tout, c'est n'importe quoi. Et j'ai vu qu'apparemment le nouveau Steam Pod est beaucoup beaucoup plus pratique, beaucoup mieux, qu'il lisse tout aussi bien. Et du coup je le conseille fortement. Ensuite on passe à du make-up et là je vais vous parler de la palette de Tati. En gros elle a sorti une palette et elle en fait, quand je me dis make-up, c'est vrai que je pense à elle. Elle c'est... elle s'est tellement dessus, ça fait tellement d'années qu'elle est dedans qu'en fait elle est, elle a, pour moi là, elle a créé deux palettes, vraiment. Et quand tu vois la gueule de sa palette, tu dis juste wow. Du coup ça je vous la conseille fortement. Ensuite évidemment les palettes Huda Beauty, est-ce que j'ai besoin de m'expliquer là-dessus? Juste il y a 10 000 variétés, ça dépend du prix que t'es prêt à mettre. Mais franchement pour un cadeau, je conseille fortement les petites palettes à 30€ là. Elles sont super mignonnes, elles sont très très jolies. En plus les couleurs, ça s'adapte selon les personnes. Je sais qu'il y a des personnes comme ma mère qui aiment le vert mais à la mort, qui aiment les beaux verts. Et du coup quand elle voit la palette Huda Beauty verte, elle l'aime trop. Et du coup c'est une super super belle idée, donc il y a vraiment le choix. Ensuite on a 7 de pinceaux d'éponge. Alors là franchement je vous conseille fortement ceux de chez Zoeva pour commencer. Ensuite ceux de chez Morphe Brushes, ils sont géniaux, vraiment vraiment. Zoeva, Morphe, NYX Cosmetics ont de très bons pinceaux aussi. Du coup je vous mets un max de liens dans la barre d'infos. Les éponges aussi, les éponges make-up, il faut pas les négliger. Parce qu'une éponge Beauty Blender ça coûte quand même cher, de la marque Beauty Blender ça coûte cher et tu penses pas forcément à te l'acheter tout le temps. Donc il y a ça, mais il y a aussi l'éponge Real Techniques et ça c'est de la bombe. Je vous mets aussi un lien beaucoup beaucoup moins cher, par contre ça met un peu plus de temps à arriver, mais elles sont géniales. Ensuite, kit de sourcils. Alors ça, si vous connaissez quelqu'un, fille ou garçon, obsédé avec les sourcils, moi j'en connais une, et les sourcils c'est vraiment trop 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 important pour elle, et bien un kit complet pour les sourcils, c'est un cadeau de malade. Pour quelqu'un qui aime trop prendre soin de ses sourcils, avoir de beaux sourcils bien dessinés, c'est un truc de fou. Donc vous pouvez vous diriger soit vers Benefit, ils ont des petites box avec crayons, ils ont quoi, ils ont vraiment tout. Et maintenant en plus Benefit ont sorti de nouveaux produits, j'ai vu qu'il y en a un avec un double embout qui est crayon et poudre, donc ça m'a l'air vraiment top. Du coup soit ça, soit la pommade Anastasia Beverly Hills et le pinceau Anastasia qui va avec. Ça je sais que ça plaît, je lui ai offert ça, pommade et pinceau, il y a l'année dernière, elle a kiffé, donc ça c'est un bon truc. Ensuite les produits Kylie Cosmetics, ça il faut commander à l'avance parce que ça met du temps, mais je sais que ça ferait trop plaisir. Deux produits, trois produits, ça dépend du budget. Après même un seul produit bien emballé ça fait l'affaire. Du coup même là, sachant que si c'est pour Noël il y a encore le temps, donc là ça serait le moment de commander. Et là je vais vous parler des produits de cheveux. Il y a des gens comme pour les sourcils qui sont obsédés avec les cheveux. Et du coup il y a plusieurs types de cadeaux, comme une routine complète de boucles si c'est quelqu'un avec des cheveux bouclés, une routine de boucles. Si c'est quelqu'un avec les cheveux lisses, une routine de cheveux lisses. C'est absolument pas sponsorisé mais je travaille avec eux très souvent. Activilong propose des gammes complètes pour les cheveux lisses, pour les cheveux bouclés, pour les cheveux crépus, pour plein de types de cheveux différents. Et en fait vous avez plein de produits adaptés avec les brosses etc. Et du coup franchement c'est une dinguerie, donc ça c'est un très beau cadeau. Moi je serais trop heureuse de recevoir ça en cadeau, donc j'imagine quelqu'un qui fait super attention à ses cheveux. Du coup il y a ça. Mais je vous propose aussi des produits, donc type des masques de chez Bleu Libellule. En fait chez eux tu vas là-bas, t'as envie de tout 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 acheter parce qu'elles te conseillent tellement bien.
elles te vendent tellement bien les produits. En vrai, elles regardent tes cheveux, elles disent ouais, t'as besoin de ceci parce que t'as les cheveux secs, je te conseille ça, ça, ça et ça. Ou alors, si tu sais que ta copine elle a les cheveux colorés, si elle a les cheveux secs, si elle a les cheveux comme ci, comme ça, en fait, tu leur dis et elles vont conseiller des produits de malade. Donc, que ce soit des huiles pour cheveux, des masques, des shampoings. Et puis, quand tu vas dans le Libellule, c'est pas donné. En tout cas, quand tu regardes les vrais beaux produits, c'est pas du tout donné. Donc, recevoir ça en cadeau. T'es content en fait, tu dis yes parce que j'oserais pas me l'acheter à moi-même vu que ça coûte une blinde. Et le recevoir, bah, ça fait que tu peux l'utiliser du coup. Bref, c'est super cool. Du coup, il y a ça, les masques, donc L'Oréal Pro. Et puis, il y a vraiment plein de marques, dont Olaplex. Olaplex coûte une fucking blinde. Du coup, prendre tout le coffret Olaplex en cadeau, c'est une dinguerie. Ensuite, une bonne idée aussi que moi j'ai déjà offert et qui a beaucoup plu, c'est d'aller chez une prothésiste ongulaire, une bonne prothésiste ongulaire, genre la meilleure de la ville, et tu lui prends une carte cadeau, que ce soit pour une fille ou un garçon d'ailleurs, une carte cadeau pour peu importe la pose que tu penses être la meilleure pour la personne. Donc ça peut être soit des soins de nettoyage pour quelqu'un qui aime pas avoir du vernis, ou alors ça peut être pose de capsule, chablon ou bien vernis semi-permanent, peu importe, ça fait trop plaisir parce que c'est le genre de truc où tu te dis non en fait j'ai trop de dépenses ce mois-ci donc je vais pas aller faire les ongles. Bah du coup quand on te l'offre, c'est juste le super beau moment de ton mois. Dans la même idée, une pose d'extension de cils, voilà, j'ai déjà offert et ça fait trop plaisir. Donc les extensions de cils ou bien recourbement et teinture de cils ou de sourcils, ça aussi parce que pareil c'est un service qui coûte relativement cher selon la technicienne, du coup ça fait toujours plaisir de le recevoir. Et puis pour terminer avec carte cadeau Sephora, mais mettez pas genre 30€ sur la carte cadeau parce que ça sert à rien, tu peux acheter qu'un truc. Donc une carte cadeau, genre admettons que tu sais pas trop, t'es avec plusieurs personnes, tu sais pas exactement ce que la personne elle aime, et bah vous mettez 20-30€ chacun et ça fait un beau montant et du coup elle va et elle s'éclate à acheter, il ou elle s'éclate à aller acheter un max de produits et ça c'est vraiment génial. Ensuite on va passer à la catégorie mode et là on commence avec un truc super simple, une carte cadeau. Je sais que j'ai déjà dit mais c'est vrai que parfois tu sais tellement pas que tu penses même pas à la carte cadeau, ça m'est déjà arrivé. Du coup une carte cadeau chez Zara mais genre de plus de 100 balles parce que chez Zara tout est à 39,99€ et du coup t'achètes deux trucs et c'est fini. Du coup ça, ensuite quelque chose que j'apprécie énormément sur ASOS, ils ont une collection complète qui s'appelle Collusion. Et en fait c'est une collection complètement unisexe, ça veut dire qu'ils font vraiment de tout, des hauts, des hoodies, des pantalons, des jupes, tout unisexe. Et leur collection est juste dingue, ils ont de tout et ça fait plaisir à absolument tout le monde. Vu que c'est unisexe c'est vachement simple en fait, ça va vraiment à tout le monde donc bref. Ça c'est cool. Ensuite quelque chose qui est vraiment bien pour quelqu'un qui aime la salle ou même quelqu'un qui va à la salle de temps en temps, ça pourrait encourager de fou, un ensemble complet de chez Gymshark. Donc soit la brassière et le legging, soit le t-shirt, bref un ensemble complet ou alors même un legging de chez Gymshark, ça ferait trop plaisir sachant que leurs leggings sont absolument magnifiques et qu'ils ont plein de variétés, ça et puis des vêtements fitness quoi, ça fait toujours plaisir. Bon après faut bien connaître la taille de la personne, hein, ça c'est un peu plus chiant, mais si c'est quelqu'un dont t'es proche franchement fonce parce que Gymshark c'est énervé. Ensuite des petits sacs à main, donc un ou plusieurs sacs à main pochettes. Je sais que beaucoup de gens aiment trop ça et moi à chaque fois que je vais chez Mango j'ai envie de tous les acheter. Ils sont trop jolis, il y en a plein, ils sont super tendance à chaque fois et puis oh ils sont tellement mimes. Ensuite là on va dans des prix qui sont un peu plus chers mais c'est des cadeaux qui font très plaisir. On parle de sneakers, de baskets, de certaines bottines, mais plus les baskets. Quand tu connais bien la taille de la personne, il y a tellement de belles baskets. En vrai, il suffit juste de regarder un peu le style de la personne. Et moi, ce que je fais en général, c'est que je vais faire comme si j'en parle pour moi. Je vais dire, ouais, j'ai repéré telle ou telle chose, j'aime trop. Enfin, tu penses quoi? Je crois que je les achète et tout. Et si la personne, elle aime, je sais que je mets des degrés de à quel point elle aime les trucs. Et puis une paire de baskets, ça fait trop plaisir pour quelqu'un qui aime ça. Ensuite, là aussi c'est un peu plus cher, mais je sais que ça fait plaisir. Ça c'est pour plus les parents, en tout cas moi ma mère elle aime trop les chaussons UGG. Vraiment, en plus ils en ont sorti là des espèces de chaussons sandales. Elles sont super confortables, je les ai essayées. J'étais aux galeries, je les ai essayées, trop confortables. Du coup les chaussons UGG. Du coup voilà pour cette catégorie, maintenant on va passer au divertissement. Je savais pas exactement comment appeler cette catégorie, mais vous comprendrez pourquoi. Première chose, un coffret.
Donc un coffret genre de Harry Potter, un coffret de Friends. Je sais que le coffret de Friends, ça ferait plaisir à tellement, tellement, tellement de gens parce que en fait, si vous êtes de cette génération, vous savez à quel point Friends, on a grandi avec, moi en tout cas, j'étais baignée dans Friends tout le temps et c'était tout le temps là et j'ai toujours regardé, j'ai tout vu. Mais genre 3-4 fois, du coup, Friends, ou bien Harry Potter, ou bien une série ou un truc qu'on aime, tu vois, même si aujourd'hui on a accès beaucoup sur Netflix. Il y a énormément de séries qui ne sont pas sur Netflix et des trucs un peu à l'ancienne qui ne sont pas sur Netflix et dont beaucoup de Disney. En tout cas, moi je suis une grosse fan de Disney. Et les coffrets Disney, c'est une dinguerie, en tout cas, moi je serais trop contente avec ça. Ensuite, dans le même style, une saga de livres, une saga complète de livres. Moi qui aime lire de malade, j'aime trop 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 lire. Et bah franchement, un coffret avec toute une saga de livres, ça fait trop plaisir, t'es trop contente, t'es là en mode yes, yes. Genre même si tu les as déjà lus et tu les as déjà lus 3-4 fois, tu vas les relire. Et puis c'est bien d'avoir ça dans sa collection, donc c'est sympa. Des billets de concert ou des billets pour un match, alors ça fait toujours trop plaisir. À mon anniversaire, j'ai eu mon billet pour aller voir Nino, donc je vais aller voir Nino très bientôt et j'étais trop contente, vraiment trop 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 contente. C'était le cadeau du groupe, du coup j'étais trop heureuse. Donc ça ou un billet de match foot, peu importe le sport, hein, pour quelqu'un qui aime bien avoir un bullet journal, ou en tout cas j'en ai un, ou quelqu'un qui aime bien faire des listes, quelqu'un qui aime bien juste écrire en général, un kit complet avec des stylos, des surligneurs, du scotch, etc. Alors vous avez deux options, soit vous faites ça chez Action, et alors là il y a vraiment de quoi faire un truc de ouf. Parce que chez Action, vous trouvez absolument tout. Il faut juste bien prendre le temps, sélectionner les stylos, sélectionner les types de trucs. Et puis, il y a même du papier. Soit vous vous rendez sur Amazon et vous commandez par paquet. Moi, personnellement, je prends toujours des stylos à pointe fine, des surligneurs, du scotch, des feutres, mais pas les feutres opaques. Des feutres qui sont translucides, en fait, quand tu le passes par-dessus l'écriture. Il y a la couleur, mais ça n'efface pas, enfin ça va pas par-dessus ton écriture. Du coup, ça c'est vraiment vraiment bien pour les listes. Et puis pourquoi pas des autocollants. Enfin, même quand on est adulte, tu mets des autocollants sur tes listes ou j'en sais rien dans le bullet journal. Je ne sais pas, en tout cas personnellement, j'apprécie fortement ça. Du coup, je vous mets en bas une petite liste de produits de chez Action qui m'intéressent. Mais si vous voulez vraiment ça, envoyez-moi un message sur Instagram. Et puis, même personnellement, pour une ou deux personnes, je ferai une story la prochaine fois que je vais chez Action pour vous montrer chaque produit. Qui sont intéressants là-bas. Dans le même style que les stylos et les papiers, je sais qu'il y a des personnes qui apprécient énormément écrire des lettres. Aujourd'hui, on n'écrit plus de lettres, enfin presque plus. C'est toujours des emails, des messages, des appels, bref. Et du coup, il y a quand même des gens qui aiment trop écrire des lettres, avoir des jolies enveloppes et surtout, 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 je connais quelqu'un qui aime beaucoup ça, la cire à verser sur l'enveloppe et le petit stamp. Alors ça, il y a des gens qui adorent ça, qui trouvent ça trop 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 agréable de le faire. Et c'est vrai que c'est très très joli, donc ça c'est un super beau cadeau. En papeterie, je le vois énormément, vous avez les kits complets avec la cire, avec le petit stamp et avec enveloppe et papier, donc ça c'est une bombe. Ensuite, un cadeau de ouf, une trottinette électrique, ça coûte pas non plus un bras, ça dépend après de la marque. Pour se déplacer uniquement en ville, c'est bien, en plus le temps de charge il est pas excessif, enfin bref, c'est entre 100 et 1000 euros en vrai les trottinettes. Après ça dépend de la personne à qui t'offres ça et du budget, mais franchement c'est un cadeau trop mime. Perso, même si je conduis partout, je me dis qu'en vrai, quand je suis ici, je me baladerais trop en trottinette électrique. Ensuite, quelque chose que j'ai sur ma wishlist depuis un moment et à chaque fois je me dis je vais l'acheter, mais après j'achète autre chose, une imprimante à téléphone HP. J'en ai vu plein 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 des imprimantes à téléphone, mais à chaque fois on m'a dit que c'était nul, que soit ça se cassait très vite, soit la qualité était dégueu, soit bref, il y a toujours un problème, mais les HP, on m'a toujours dit qu'elles étaient super bien. Du coup, en fait, ça te permet d'imprimer toutes les photos depuis ton phone instantanément, donc ça c'est génial. Des AirPods. Évidemment, les AirPods, que ce soit les anciens ou les nouveaux, beaucoup de gens ne les ont pas encore, personnellement je les ai pas encore, mais c'est sur ma wishlist et je compte me les acheter. Je me suis dit je vais me faire plaisir un de ces jours et je vais me les prendre. Ça, et puis aussi quelque chose que je vais m'acheter très 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 prochainement, c'est une Fitbit. Alors ça, j'en ai acheté une pour ma mère et je l'ai utilisée un petit peu. Si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime trop faire du sport, qui aime bien traquer ce qu'elle fait et tout, et c'est trop chiant d'aller dans une app à chaque fois. Personnellement, je le fais pendant quelques jours et après ça me saoule, j'oublie, je zappe et du coup ça passe à la trappe l'application. Mais la Fitbit, tu la portes à ton poignet et c'est bon en fait.
ça t'enregistre tout, donc ça c'est une tuerie. Puis encore une fois, dernière chose, pour les bracelets connectés, une Apple Watch. Ça personnellement c'est pas sur ma wishlist, je m'en fiche un petit peu, j'ai déjà une montre normale, je m'en fous, enfin je vois pas trop l'intérêt. Je sais que beaucoup de personnes voient un milliard d'intérêts dedans, autant que moi je vois des intérêts dans la Fitbit, mais l'Apple Watch je m'en fous un peu. Par contre je sais que ça ferait plaisir à énormément de gens, donc si vous avez le budget, foncez vers ça. Dernière catégorie, les accessoires, et là on va commencer par les bijoux, dont des bijoux que je porte. Bon, vous allez m'excuser, mais mes bijoux, mes colliers, là j'en ai deux en même temps, ils sont légèrement entortillés. De toute façon si vous regardez mes stories, vous voyez que mes colliers sont très souvent entortillés parce que je fais plein de choses, je me change 10 000 fois, je vais à la salle et je les enlève pas, même si je devrais, mais je les enlève pas beaucoup, je les porte vraiment tout le temps, et ça vient de la marque Carré Y. Donc ils font de magnifiques bijoux qui durent. J'ai un collier, ça fait un an que je le porte non-stop. Parfois j'enlève un jour, deux jours et je le remets direct. Il vient partout avec moi, il est toujours en parfait état, il n'a pas bougé, toujours aussi propre et brillant. Pourtant je le quitte pas, hein, je me douche avec. Et du coup ça ne bouge pas, et puis bah, c'est ce qui conclut cette wishlist. Je sais qu'elle aurait pu être beaucoup plus fournie, mais ça commence déjà à faire long. J'ai quand même pas mal de choses, mais si ça ne vous suffit pas, et eh bien rendez-vous sur Instagram, on peut faire d'autres wishlists. Et je peux vraiment... Déjà j'ai un onglet wishlist sur mon Insta parce qu'on m'a déjà demandé, donc j'ai un petit onglet là. Du coup j'espère que cette vidéo vous a plu et que ça vous a inspiré pour des cadeaux d'anniversaire de Noël ou peu importe. Et surtout dites-moi dans les commentaires quelle est la ou les choses que vous voulez vraiment recevoir en cadeau. C'est toujours utile, c'est pour moi et surtout pour tous les autres qui vont regarder les commentaires. Si j'ai pas pensé à certaines choses, parce que forcément je peux pas penser à tout, et ben ils auront tout dans les commentaires et ça va aussi aider. Avant de partir, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche, c'est méga important. Je vous fais maintenant plein de bisous, je vous dis à la prochaine.